Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, merci d'être au rendez-vous à chaque fois avec Sport Weekend pour l'actualité sportive de fin de semaine et aussi le programme du week-end. Mais bon, comme vous le savez, le championnat est à l'arrêt, mais l'actualité, elle, ne s'arrête pas. Mais il y a toujours quelque chose à dire dans le monde du football. Pour preuve, eh bien, nous aurons à parler de la Coupe de la Confédération, de la Champions League africaine avec, bien sûr, un 4 sur 4, c'est-à-dire 4 clubs engagés, 4 clubs qualifiés dans ce premier tour. On parlera également, on reviendra sur les statistiques de la phase aller pour la Ligue 1, Mobilis, et la Ligue 2. On essaiera aussi d'évoquer quelques mots d'arbitrage, parce que aussi on a fait le bilan de l'arbitrage, et un petit mot d'Omnisport en fin d'émission pour parler du sport pour handicapés. Donc, pour m'accompagner dans ce numéro spécial statistique, on va dire, et bilan, eh bien, j'ai eu le plaisir d'inviter mon ami Mourad Bendada, qui est ex-arbitre international, car grande carrière, connue et reconnue, mais qui a arrêté, à mon avis, malheureusement trop tôt, n'est-ce pas, Mourad ? Effectivement. Moi, ça, c'est mon avis. Hein. Mesdames, messieurs, amis sportifs, bonjour. Effectivement, la FIFA nous donnait le droit de rester jusqu'à 45 ans, et moi, j'ai arrêté à 39 ans. Pour des obligations professionnelles, vous connaissez bien mes fonctions. Donc je ne pouvais pas joindre les deux activités. C'est difficile d'être directeur dans l'hôtellerie et en même temps assurer l'arbitrage, c'était un peu difficile. D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois j'ai été désigné au Burkina Faso et j'étais en titulaire d'un titre de congé. À mon retour, j'étais relevé de mes fonctions. Ah, d'accord, donc il fallait choisir quand même. Oui. Donc après, j'étais obligé de choisir de suivre ma carrière professionnelle ou l'arbitrage, j'ai fait mon choix, parce que… Choix douloureux ? Douloureux, non, mais le travail, c'est 60 ans. Et la carrière de l'arbitrage, c'était 45 ans. Et ouais. On ne touchait pas, je vous prends à titre d'exemple, 80 000 spectateurs au 5 juillet, MCA USMA, j'ai touché 450 dinars. Et quand même, c'était pas mal. Donc le choix était fait et j'ai préféré suivre ma carrière professionnelle. Très bien. Moi, enfin, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur l'arbitrage. Moi, je voudrais d'abord votre avis sur cette qualification des 4 clubs algériens engagés en Coupe d'Afrique, bien sûr. Il y a le CSA, d'abord, qui est revenu avec un résultat positif. Ouais, positif. Je ne peux que féliciter nos 4 clubs qualifiés en Coupe d'Afrique. C'est une bonne première. J'espère que ces 4 clubs continueront dans ce chemin et pour la suite du parcours. Bon, c'est ce qui est bien. Bon, il y a le CSC qui s'est qualifié, il y a la Jeunesse Sportive de Saoura qui a fait un excellent résultat, un nul en déplacement. Et bien sûr, le Nahd et l'USM Belabès. Belabès a perdu, mais elle avait déjà 4 buts d'avance. Alors, ce qui donne pour le prochain tour, un CSC Vipers Club de l'Ouganda. Pas mal, hein. Triple, ça fait 3 fois successivement que Vipers Club est le champion titre en Ouganda. Alors, la Jeunesse Sportive de Saoura tombe sur nos voisins marocains de Tihad Riyadi de Tanger. En Coupe de la CAF, l'USMBA, c'est aussi un gros morceau, hein. C'est les Nigérians du Enugu Rangers. Et le Net tombe sur une équipe qui n'est pas très connue, les Green Eagles de la Zambie. Alors, c'est quand même un programme assez sérieux. Là, c'est un autre tour. Hein. C'est un autre tour, c'est une autre phase. On souhaite du courage pour nos clubs. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'est toujours particulier. C'est pas facile, c'est pas difficile aussi. C'est pas difficile, il y a toutes les conditions, sauf les conditions climatiques. Il y a l'humidité. La chaleur excessive. Il faisait le CSC, CSC Gamtel. À Banjul, c'est quand même déroulé sous quand même 40 degrés, c'est quand même très chaud. Ça m'est arrivé d'arbitrer, je ne pouvais pas bouger du centre. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile.
Oksim billahi al-adim, je ne pouvais pas bouger du centre. Je ne pouvais pas faire quelques pas. Très bien. Je sais que vous avez beaucoup couru sur les stades algériens. C'est pour ça que je vais vous demander votre avis sur la phase aller. Allez, le Jungle League 1. Ouais, la Coupe de la CAF, ben, ça sera... Ben, juste, vous me rappelez que je dois donner les dates. D'abord, c'est les matchs aller, c'est le 18, donc le CSC et la Jeunesse Sportive de Saoura et l'USMBA se déplaceront pour le premier match, recevront et se déplaceront pour le match retour. Alors que le NED est la seule équipe à se déplacer et à recevoir au 5 juillet. Ça sera à la fin du mois, c'est-à-dire le 28 décembre. Le premier match est prévu aux alentours de 17-18 décembre. Il y a un choix à faire pour les dates. Voilà, on peut passer à la Ligue 1, s'il vous plaît. Alors, Ligue 1 mobilise, les 15 journées se sont déroulées, on va dire, durant 105 jours, 15 journées. C'était un peu laborieux, il y a eu quand même des hauts et des bas. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de 15 jours de 15 journées de compétition, selon vous? Honnêtement, on ne peut qu'applaudir cette programmation. Sur 105 jours, ça veut dire que c'est 3 mois d'activité. On fait tourner 15 journées sans trop de problèmes. Avec les matchs de Coupe arabe, de Coupe d'Afrique. Avec les matchs de Coupe d'Afrique et de Coupe arabe. Et quelques repos pour les éliminatoires de la Coupe d'Algérie. Et les dates FIFA aussi. Les dates FIFA pour l'équipe nationale. Donc on va dire qu'on est dans les normes, même si la programmation elle était longtemps décriée. Il faut dire que même le président de la Ligue professionnelle, Abdelkrim Adour, a fait un mea culpa. C'est vrai qu'il y a eu cette journée qui a été reportée, qui a un peu perturbé tout le monde. Mais on va dire que finalement, quand on fait le bilan, et comme ils l'ont fait hier entre fédération sportive et président de club, on va dire que ça s'est déroulé plus ou moins bien. Si on prend 90% par rapport à 10%, je dirais que c'est déjà... C'est pas mal. Hein? Alors, le champion d'hiver du SMAD Alger, et qui en a annoncé tout de suite la couleur d'entrée de jeu. Donc, le SMAD Alger va suivre ensemble les tableaux. Donc, le SMAD Alger, premier tableau, le SMAD Alger champion d'hiver, il n'y a rien à dire. En plus, c'est la meilleure attaque quand on voit la meilleure attaque avec 27 buts, très loin. Devant le Paradou, 22 buts, et la JS Kabylie, 19 buts. Voilà, c'est à l'image, hein. Même si le Paradou n'est pas aussi bien classé que les... Voilà, ça c'est pour la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est la Jeunesse Sportive de Savoie, avec seulement 6 buts encaissés. La JS Kabylie est classée à la deuxième place. Alors pour le second tableau, la plus faible équipe, c'est l'équipe de Ain Lila. La plus faible attaque, je veux dire, hein, 8 points. Bah, pardon, faut revenir d'abord au carton qui était... Les meilleures équipes à l'extérieur, c'est bien sûr l'USMA d'Alger, le Mouloudia d'Alger, l'Entente Sétif. Les meilleures équipes à domicile, voilà. Alors, on voit le premier tableau, comme ça. Les défenses, on a vu, voilà. Il faut s'arrêter là, parce que sinon, je vais me tromper. L'USMA d'Alger, donc, meilleure équipe à l'extérieur, avec 14 points ramenés, ses déplacements, suivi du Mouloudia d'Alger, l'Entente Sétif, 13 points. Alors, les équipes à domicile, c'est l'USMA d'Alger qui a fait le plein pratiquement, même si elle a perdu son dernier match face à Sétif, 19 points. La JS Kabylie, le Parado, eh bien 17-16 points. Voilà pour cette première partie. La plus faible équipe, on a dit que c'était Ain Mlila. Oui. Ain Mlila avec seulement 8 buts, la plus faible attaque. La plus faible, on va pas dire on ne comptabilise pas les 3 buts gagnés sur tapis vert. Sur tapis vert. Voilà, c'est juste pour. Alors l'équipe la plus faible défense, c'est le Mob de Bjaïa avec 23 buts encaissés. Et les meilleurs buteurs, Naïji Paradou 11 buts, Alibi la révélation avec 10 buts et Ibarra qui a marqué 6 buts, mais là il était retenu aussi par ses obligations en équipe nationale. Voilà. Alors, quand on voit ces chiffres comme ça, on voit bien que l'USMA d'Alger domine des pieds et des mains et des pieds ce championnat. Ce championnat. Effectivement. La phase aller, la première partie du championnat national, nous constatons qu'il y a beaucoup de résultats à l'extérieur. Ce qui est bien. Ce n'est plus
L'USMA, c'est une équipe qui est constante. Le renouveau, c'est la GS Kabylie qui revient après avoir connu quelques années de disette, hein, on va dire. GSK revient fort cette saison avec une bonne série de 12 matchs sans défaite. Et peut-être s'il n'y avait pas ce problème de report et de... Probablement, voilà. Ils auraient pu afficher un meilleur résultat, meilleur par rapport au résultat actuel. Mais si là, on va dire que cette année, on voit que la GSK, l'USMA d'Alger, avec l'entente CETIF qui avait quelques difficultés, quelques perturbations. Voilà, quelques perturbations, mais il faut qu'on raconte aussi avec la jeunesse sportive de Sahara, qui est une équipe de compétiteurs qui va revenir. Il y a aussi probablement le Mouloudia d'Alger qui reste une équipe imprévisible. Donc c'est quand même, il y a un lot d'équipes qui sont là pour disputer. Il faut attendre la phase retour pour un peu le début. Voir la suite du championnat. Allez, on a marqué quand même, on n'a pas parlé d'attaque. Le tableau où il y a, on a marqué 240 buts. Quand même. Voilà, 240 buts, ça fait 2 buts par match par et match. Ça fait 16 buts par journée. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a eu toujours au moins 2 buts par match. C'est bien. C'est pas mal. Sur le plan disciplinaire, alors, il y a eu Gérard du CRB et Bouchard qui a passé la phase retour au Mouloudia d'Oran, mais qui va passer la phase retour, la phase aller au Mouloudia d'Oran. Phase retour, ça sera au CRB. Là, ils ont été sanctionnés par 7 cartons à 7 reprises. Quand même, c'était les joueurs les plus indisciplinés, on va dire. Mais il y a eu aussi 15 cartons rouges avec une moyenne d'un carton rouge par journée. Est-ce que c'est une bonne moyenne, mauvaise moyenne sur le côté discipline? Oh, je ne peux pas vous dire si c'est une bonne ou mauvaise moyenne, mais les cartons sont là, donc les arbitres font leur boulot. S'il y a un carton, ils le tirent, qu'il soit rouge ou jaune, mais quand on parlera de l'arbitrage... On va passer à l'arbitrage, mais on ne va pas d'abord descendre en Ligue 2 d'abord. Alors la Ligue 2, le jingle, et après on va voir ce qui s'est passé essentiellement durant la phase aller. Alors, en Ligue 2, l'AS Hochelev a été déclaré champion d'hiver grâce à sa victoire en déplacement lors de la dernière journée sur son poursuivant immédiat, le Wydad de Tlemcen, et à domicile. Donc c'est quand même impressionnant comme performance. Alors, l'AS Hochelev, on a placé les trois parce que quand même il y a trois places qui concernées par l'accession. Le Mouloudia de l'Ulma, c'est dans ses ambitions, avec 28 points et deuxième. Alors, surprise, c'est le Nejm de Megara avec 27 points et notre ami Aziz Abbes qui est apparemment à la baraka parce que dès qu'il passe au studio, il continue les bons résultats. Les meilleures attaques de ce championnat de Ligue 2, on marque beaucoup, pas autant qu'en Ligue 1, mais on marque. L'AS Hochelev, 22 buts avec le Wydad de Tlemcen, 22 buts. Et l'US Biskra et l'Espérance de Mostar Ghanem avec 18 buts. Le deuxième, s'il vous plaît, le deuxième tableau, avec les meilleures défenses, le Mouloudia de l'Ulma avec seulement 8 buts, tout comme Boussaada, l'USM Ben Annaba et le RC Redizen avec seulement 10 buts. On a marqué moins de buts en Ligue 2, 211 buts, et ça fait une moyenne de 1,79 par match, et ça fait 14 buts par journée. Voilà, c'est à peu près les statistiques, on ne s'est pas trop étalé en Ligue 2. C'est aussi, quand même, la Ligue 2, c'est tout le temps disputé. C'est pas fini, hein. Ce classement, je pense, avec Magala, l'Ulma, et il y a Tlemcen, il y a Biskra, il y a d'autres clubs qui ne sont pas très loin. C'est pas fini. Effectivement, mais il faut pas oublier que les clubs de la D2 sont en majorité anciens sociétaires de la D1. Hein. Oui, mais pratiquement. Pratiquement. Donc, on voit les quelques clubs qui sont en tête du classement, en dehors de Megara qui fait ça la surprise de cette année. Il y a seulement Megara et Boussaada qui n'ont pas, d'expérience en Ligue 1, mais les autres ont Ils sont passés par la Ligue 1. Donc, Et en bas du tableau, trois équipes algéroises, trois équipes formatrices, le RC Kouba, l'USM Harrach et l'USM Blida. Là, c'est mon petit coup de gueule à moi. Moi, c'est dommage. Je ne peux rien dire. C'est dommage pour eux. Mais pour les trois clubs. Ça serait quand même bien de les prendre en charge parce que finalement... Surtout l'école de Kouba, même Blida, Harrach... Oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage.
Alors, on va parler un peu de l'arbitrage, parce que quand même, on vous a fait appel justement pour ça. Merci. L'arbitrage longtemps décrié durant cette première partie du championnat. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de mécontentement. Bon, vous, comment vous... Un regard d'arbitre, hein, sincère. On va pas prendre de position, ni avec les uns, ni avec les autres. On va être très objectif. Selon vous, quelle est l'appréciation, eh bien, sur cette phase aller? En toute honnêteté, la phase aller s'est terminée dans de bonnes conditions, en dehors de, effectivement, de certaines réclamations à gauche et à droite. Mais je ne cesserai pas de répéter qu'il ne faut pas balancer les 10% qui prennent le dessus sur les 90%. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Maintenant, s'il y a quelques erreurs, il ne faut pas se focaliser sur ces erreurs et on ne cesse de parler que de l'arbitrage et on cache nos problèmes. Il ne faut pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi. Surtout les plateaux, il faut appeler les techniciens pour donner leur avis. C'est pas n'importe qui parle de l'arbitrage, mais Arshtel Balouk Dayouzen. Alors vous reprochez dans certains plateaux de discussion, dans des émissions sportives, où il n'y a pas d'arbitre. Il faut appeler les arbitres. Il y a des arbitres titrés, ils sont en retraite. Il y a des formateurs. On va parler tout à l'heure de la formation. Ils vont donner leur avis sur l'arbitrage. C'est-à-dire pour vous, il faut faire appel aux experts de l'arbitrage. Voilà. Le joueur, il parle du football, l'entraîneur, il parle de l'entraînement, le technicien de l'arbitrage, il parle de l'arbitrage. Comme ça, il peut apporter sa contribution. C'est pas n'importe qui parle de l'arbitrage. Hors-jeu, mais hors-jeu, quid expulsion, mais expulsion. Alors que les lois, l'essence, la réglementation, c'est qu'elle a laissé une part d'humanité, enfin pas d'humanisme. On reste être humain. Et le droit à l'erreur. Le législateur, il a prévu dans ses lois le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre. Maintenant, c'est devenu le pouvoir discrétionnaire du plateau. C'est le plateau. Je ne défends pas les arbitres, mais je dis la vérité. Non, mais, bon, alors c'est vrai que certains arbitres disent qu'ils ont été un peu lâchés ils ont été jetés en pâture. Jetés en pâture. Voilà. Allez, n'importe qui a dans l'allée, n'importe qui a ou d'air faute, n'importe qui a ou d'asseoir, n'importe qui a ou d'air. C'est pas normal. L'année passée, vous vous souvenez, il y a eu quand même un mouvement de protestation des arbitres qui ont observé une minute avant chaque match. C'était l'année passée en fin de saison. C'était pour crier leur mécontentement sur la grosse pression qui régissait sur eux en fin de ces... La peur au ventre. Honnêtement, il faut faire appel à des experts de l'arbitrage. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont volontaires pour venir contribuer et apporter leur expérience. Donc, il faut pas... Qu'est-ce qui manque à l'arbitrage pour refaire l'unanimité comme il le faisait il y a quelques années, hein, Déjà là, ma petite expérience, je dirais qu'il faut faire appel aux anciens arbitres. Reprendre la formation à la base, à partir des ligues régionales. Il n'y a plus de formation. Il ne faut pas avoir honte d'appeler des experts, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Il y a eu des élites, on a créé des écoles d'arbitrage, des élites d'arbitrage qu'on a formées. Mais qui forme? Qui est à l'intérieur? Je connais le formateur qui a dû former. Là, on remet en cause... Parce que si on prend les 17 lois, c'est facile de les apprendre. Pour l'anecdote. Quand c'est Abdelkarim Tirouche de la Ligue, comment devenir arbitre? Il y a 17 lois. À ce moment-là, on lit le code du commerce. C'est facile, on lit le code avec les 2-3 phrases. Donc, c'est les 17 lois, c'est facile. Mais leur interprétation, l'esprit de la loi, c'est où ils trouvent la formation. Donc, ils trouvent l'expérience. Donc, maintenant, il paraît qu'on a à peu près 800 arbitres. Oui, sans arbitre de l'Ahiberg. Entre les différents, c'est un grand chiffre. Il y a 3 paliers. Ouais. Chaque palier, on prend 20-30 arbitres, maximum. Je vais vous donner des chiffres. Bon, j'enlève mes lunettes pour mieux voir mes chiffres. Donc, vous savez, il y a par exemple 44 arbitres
en Ligue 1 qui ont dirigé. Bon, on n'a pas de tableau. Ça, ce sont dans mon petit tableau 44 arbitres qui ont, internationaux qui ont dirigé 44 matchs sur les 120 matchs de Ligue 1. Et il y a eu 26 assistants. Ça, c'est pour les internationaux. Voilà. 26 qui ont arbitré en Ligue 1, 26 assistants. Alors qu'en Ligue 2, eh bien, il y a eu 13 matchs arbitrés par des internationaux et 14 par des assistants internationaux. Voilà, ça c'est un petit chiffre, hein. On a beaucoup de statistiques. Un petit chiffre, il faut utiliser c'est... rationnellement les arbitres. Alors je vais vous donner d'autres chiffres. Il y a 77 arbitres directeurs de jeu qui officient en Ligue 1 et 90 en Ligue 2. Pour les assistants, il y a 47 seulement en Ligue 1. Et 67 en Ligue 2. Mais il y a des arbitres qui ont arbitré jusqu'à 9 rencontres durant cette phase. Oui, il y a... Allez, il y a d'autres arbitres qui ont arbitré 2 rencontres. Je ne parle pas des internationaux qui ont été retenus à gauche et à droite dans des manifestations internationales. Mais il faut qu'ils venir à donner la chance à tout le monde. Donner la chance à tout le monde, c'est-à-dire... Alors, par exemple, si on vous donne, on vous donne l'occasion de dire, par exemple... Et c'est jeter la pièce, une pierre à l'édifice. Déjà, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se rencontrer, il faut décider, il faut faire des assises sur le... Il faut faire des ateliers de réflexion sur l'arbitrage, spécialement arbitrage. C'est important. Donc, il faut faire appel à tout le monde et faire des ateliers, et créer des commissions pour travailler à partir de la base. Regarde, les assises sur le football, les assises sur le football, faites des assises sur l'arbitrage. Vous voyez qu'il y a des problèmes au niveau de l'arbitrage. Faites des... Et revenir à la formation de base. C'est la condition sine qua non. Et le système de passage aussi peut-être d'un grade à l'autre devrait aussi être revu ou est-ce que c'est... Comment on fait pour devenir, par exemple, moi je suis arbitre de Wilaya, je veux devenir arbitre Interligue. Et donc... Il y a certains critères, est-ce que les critères sont... Les critères, je ne peux pas vous le dire. En 2 ans, quelqu'un passe en flèche. Saad, quelqu'un, il met 18 ans. Je vous prends à titre d'exemple, personnellement, j'ai mis 18 ans pour passer international. C'est pas facile. Parce que, Bekri, quand l'âge max c'était 50 ans, les anciens, on a mis du temps. Il n'y avait pas que moi, hein. Est-ce que vous trouvez que les arbitres sont assez bien payés ? Vous disiez tout à l'heure, vous avez fait USMA, Alger, MCA, avec 80 000 spectateurs. Non, spectateurs. Ça, mais c'était à 450 000. C'était par rapport à ma fonction. Mais maintenant, est-ce qu'il faut revoir aussi le système de rémunération ? Parce que l'arbitre devient de plus en plus professionnel. Il doit s'entraîner chaque jour. Il doit faire effectuer les tests. Mais les différents tests physiques doivent être à la hauteur. Et puis, le football va vite. Lui aussi, il doit faire des efforts. Moi, je n'ai pas les chiffres. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais même pas combien il touche. Je vous le dirai tout à l'heure, c'est des rémunérations. Vous savez, Mourad, on n'a pas assez beaucoup de temps, mais juste un mot avant, parce qu'on doit rendre l'antenne dans 2 minutes, juste un mot. La VAR a fait beaucoup a fait couler beaucoup d'encre, notamment avec le cas Abitchev, qui normalement est en conseil de discipline avec la CAF, mais bon, on attend les résultats. Mais la VAR, est-ce que ça va servir ou ça va détruire l'arbitrage ? La VAR est une nouvelle technologie qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc il faut utiliser ses avantages. Donc il faut utiliser ses avantages à bon escient et ses inconvénients. Un dernier mot, vous m'aviez dit tout à l'heure que depuis que les arbitres ont laissé tomber le... Je ne cesserai pas de le dire à chaque occasion. Depuis le départ de la tenue noire des arbitres, l'arbitrage est en déclin. Et pas en Algérie spécialement. Un magistrat, il ne peut que porter la tenue noire. Alors c'est un appel aux arbitres, eh bien restez magistrats, voilà. Merci Mourad Mendada d'avoir été nous dans cette émission. J'espère qu'on se reverra très bientôt, Inch'Allah. De toute façon, on va essayer de voir dans quelle formule, essayer d'appeler vos compétences pour nous aider dans les matchs où il y a, bien sûr, on aura des fois des litiges, donc j'espère, on m'a dit que ça sera avec plaisir. Bien. Avec vous, c'est avec plaisir. Avec vous, pareillement. Merci beaucoup Mourad Mendada d'avoir été avec nous. Je ne vais pas quitter le plateau sans présenter mes sincères condoléances à la famille Boualeg suite à la perte cruelle de mon ami d'enfance, Boualeg Belkacem, qui a disparu il y a 2-3 jours, et toute la famille Kulibis, voilà, Allah yarhamou. Je tenais, voilà, et puis,
On essaiera de revenir la semaine prochaine avec un sujet spécial pour le sport handicapé. On n'a pas eu le temps de le diffuser. Eh bien, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir.